Comment parler aujourd'hui de l'exil ? Comment vous transmettre des récits que l'on entend peu, qui sont invisibles car souvent confisqués par la haine et la division ? Comment vous informer sur un sujet très médiatisé mais maltraité ? C'est ce que je vais tenter de faire dans cette nouvelle émission. Une heure chaque mois en compagnie d'invités pour aborder en profondeur les migrations et les droits humains sous un nouvel angle. Bienvenue dans Exil d'une voix à l'autre, je suis Éléonore et je suis très heureuse de vous présenter ce nouveau rendez-vous. Seule, avec mon sac à dos, mon micro et ma caméra, je suis partie sur une route migratoire. Durant 4 mois, j'ai traversé 7 pays et tout autant de frontières pour explorer la route des Balkans. De Gaziantep à la frontière syrienne en Turquie jusqu'en Croatie, je suis allée à la rencontre de celles et ceux qui prennent ce chemin terrestre dans l'espoir de rejoindre un pays de l'Union européenne. Cette route est rarement racontée dans son ensemble et pourtant elle concentre toute la politique migratoire européenne qui consiste à refouler, violenter et dépouiller les personnes exilées. J'ai pu récolter leurs histoires mais aussi observer en quoi l'invisibilisation de ces personnes est systémique et à différents niveaux. La route des Balkans face à une Europe forteresse, c'est la thématique de cette première émission. Et pour m'accompagner durant une heure, j'ai le plaisir d'accueillir Lydie Arbogast. Bonjour. Bonsoir. Qui es-tu et d'où viens-tu, Lydie ? Alors moi, je suis Lydie Arbogast, je suis chargée des questions européennes à la CIMAD, qui est une association française de défense active des droits des personnes étrangères en France, qui a un peu plus de 80 ans. Mais qui travaille aussi au niveau européen et qui est engagée dans pas mal de réseaux européens et internationaux. Donc ce soir, je représente la CIMAD, mais je représente aussi le réseau Migre Europe. Le réseau Migre Europe, c'est un réseau euro-africain d'analyse critique des politiques migratoires de l'Union européenne et de leurs conséquences sur les personnes exilées tout au long des parcours migratoires. C'est un réseau qui rassemble une centaine de membres, une cinquantaine d'associations et une cinquantaine de membres individuels, qui la plupart sont des chercheurs cartographe, juriste, politologue, etc., basé dans divers pays d'Europe, d'Afrique, du Maghreb et du Machrek. Et tu as mené une mission de terrain en Albanie, on aura l'occasion de revenir là-dessus. Il y a un deuxième invité qui t'accompagne ce soir. Tu t'appelles Hossein Hajizadeh Sibouni. Bonjour Hossein. Bonsoir. Est-ce que tu me donnes la liberté de te présenter ? Oui, bien sûr. Ça me fera très plaisir. Merci. Alors en fait, juste pour informer les auditeurs, tu as une histoire très particulière. Tu es un artiste et un activiste iranien. Tu es né dans une cabine en plastique, isolée dans la forêt de Gilan. Tu n'as pas accès à l'école, mais ton premier contact avec l'art a lieu quand Farhad Menrafar réalise un documentaire sur ta famille et ton mode de vie. Tu commences l'école sur le tard, mais la pauvreté et le système dictatorial t'empêchent de continuer. Tu te retrouves, jeune adolescent, à Téhéran pour trouver un travail. Tu deviens un enfant des rues, accro aux drogues, notamment au cristal. Mais à 17 ans, dans les basses rues de Téhéran, étouffé par la poussière des ateliers et des usines, noyé dans l'extase des drogues, tu as une révélation. Tu découvres le contrat social de Jean-Jacques Rousseau et ta vie a depuis changé. Autodidacte, tu es contraint de quitter l'Iran en 2016 car tu es menacé de représailles suite à des critiques du gouvernement iranien. Tu traverses les pays des Balkans afin d'arriver en France et on aura l'occasion de revenir sur ton chemin. Merci Hossein d'être là ce soir. Merci pour l'invitation d'abord. C'est vrai, c'est mon histoire et c'est très dur, c'était très dur, mais je suis content aujourd'hui, je suis ici avec vous. Et en plus, je suis très content, je suis en France. Bravo. Voilà, je voulais un peu présenter le contexte et un peu ton histoire pour comprendre tout le chemin que tu as parcouru. Mais avant de revenir sur ton chemin d'exil, Lydie, on va voir un peu avec toi, c'est quoi cette route migratoire des Balkans ? Comment elle s'est construite, notamment depuis la guerre de l'ex-Yougoslavie ? Alors, on parle de la route des Balkans depuis pas mal d'années maintenant. Au niveau de l'Union européenne, les institutions, elles nomment pas mal de routes. Elles observent vraiment les mobilités d'un point de vue très eurocentré. C'est-à-dire qu'on regarde les personnes qui arrivent au sein de l'Union européenne.
sans jamais regarder le fait que beaucoup de citoyens européens migrent également à l'extérieur de l'Union européenne. Ces flux-là, j'aime pas utiliser le terme de flux qui est très déshumanisant, mais sont plus importants. Il y a plus de personnes qui migrent à l'extérieur de l'Union européenne que de personnes qui arrivent au sein de l'Union européenne. Et donc la route des Balkans, c'est l'une des routes identifiées par les acteurs, les décideurs politiques, les institutions européennes, comme l'un des parcours par lequel des personnes non européennes tentent de rejoindre l'Europe. Donc on pourrait aussi parler de la route de la Méditerranée centrale qui fait beaucoup l'actualité en ce moment avec l'arrivée à la frontière sud de l'UE en Grèce et en Italie. Il y a la route de l'Atlantique avec des départs plutôt des côtes ouest africaines vers les îles Canaries en Espagne. La route des Balkans, c'est la zone située un peu entre l'Orient et l'Occident au milieu de l'Europe. On parle un peu d'enclave au cœur du continent européen puisqu'on a plusieurs pays des Balkans, notamment la Roumanie, la Bulgarie, qui ont accédé à l'Union européenne il y a pas mal d'années maintenant. Le dernier État à avoir rejoint, c'est la Croatie en 2013. Donc on a plusieurs pays des Balkans. Souvent quand on parle de la route des Balkans, on parle de l'Albanie, de la Macédoine du Nord, du Kosovo, du Monténégro, de la Serbie, de la Bosnie-Herzégovine et de la Slovénie, de ces pays-là, et des personnes qui arrivent par la Grèce, par la Turquie et la Grèce, au début par le sud de cette route, et qui arrivent après au sein de l'Union européenne en poursuivant leur route vers l'Europe de l'Ouest. Et depuis quelle année elle est redevenue un peu centrale et on a commencé vraiment à s'y intéresser ? En réalité, l'Union européenne s'y intéresse depuis 1990. C'est vraiment le début de la politique migratoire européenne et de ce qu'on appelle l'externalisation de la politique migratoire de l'Union européenne. C'est lié à plusieurs événements politiques simultanés. 1990, ça correspond à la chute de l'ex-URSS. Et puis aussi là, on parle de la route des Balkans, à l'éclatement de la Yougoslavie, puisque tous ces États constituaient le royaume de Yougoslavie, puis après la fédération de Yougoslavie. Donc il y a l'éclatement de l'URSS, la chute de l'ex-Yougoslavie, qui provoque des guerres très très meurtrières et des millions de déplacés et de réfugiés depuis ces pays-là vers l'Europe de l'Ouest. Et en parallèle, il y a la construction de l'Union européenne et notamment de l'espace Schengen. Et quand l'Union européenne construit l'espace Schengen, donc cet espace de liberté de circulation entre les États européens, elle commence à fermer sa frontière extérieure. Avec voilà le principe de on abat les frontières à l'intérieur, on renforce la frontière à l'extérieur, et du coup elle cherche à développer des moyens de contrôler les mobilités qui chercheraient à rentrer dans le territoire européen. Donc la route des Balkans, elle se construit en tant qu'objet politique du point de vue des institutions européennes depuis les années 90, et on en a beaucoup réentendu parler en 2015 au moment de la mal nommée crise migratoire, puisqu'il y a pas mal de personnes à ce moment-là, notamment des personnes syriennes, qui ont emprunté cette route au même titre que d'autres. Oui, on estime, enfin c'est selon le HCR, que ça serait à peu près 800 000 personnes qui auraient transité en 2015 sur la route migratoire. Tout à fait, et comme c'était la route depuis l'Est, avec pas mal de personnes qui cherchaient à rejoindre l'Allemagne, c'est aussi le moment où l'Allemagne a autorisé ce corridor humanitaire, spécifiquement pour les Syriens. Toutes les autres nationalités étaient déjà refoulées à cette époque-là, mais donc c'est devenu un peu un symbole et un objet politique compréhensible pour beaucoup de personnes à partir de 2015. Avant, le grand public connaissait pas forcément la route des Balkans, si on compare avec la Méditerranée par exemple. Il faut dire aussi qu'en 2016, cette route a été fermée. Absolument. Donc ça a aussi beaucoup joué sur les questions qu'on va se poser en fait durant toute l'émission et toute l'évolution que cette route a empruntée depuis quelques années. Et justement, en parlant d'évolution, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui c'est une route migratoire toujours active, et qu'est-ce qu'on observe en fait? Est-ce que tu peux me donner un peu d'indications sur le nombre de personnes aujourd'hui qui l'empruntent? Alors, il y a toujours des personnes qui empruntent cette route migratoire, c'est clair. C'est très variable. Sur le nombre de personnes, j'aimerais un peu le développer. Mais par exemple, en 2022, l'année dernière, on a beaucoup entendu la route des Balkans redevient la principale route d'entrée irrégulière au sein de l'Union européenne, etc., etc., avec, 281 000. Par la route des Balkans? Oui. Ok. Mais encore une fois, c'est selon Frontex. Et c'est eux, ils ont un mode de calcul un peu exactement particulier, si je peux me permettre de le préciser. C'est que eux, ils estiment que une personne qui a même tenté plusieurs fois la traversée d'une frontière est comptabilisée le nombre de fois où il a tenté, pas par la. Tout à fait. Voilà. Donc c'est extrêmement problématique sur tous les chiffres qui sont présentés d'entrée irrégulière au sein de l'Union européenne.
Ces chiffres, ils sont vraiment piaisés. Il faut les prendre avec des pincettes. Bon, déjà, il faut les mettre en perspective. Quand on parle de 300 000 entrées irrégulières ou pas au sein de l'Union européenne, faut se rappeler que au sein de l'Union européenne, nous sommes 500 millions d'habitants, que ça représente 0,05% de la population européenne. Donc, on est vraiment très loin d'une invasion ou de chiffres qui seraient impossibles à gérer. Ensuite, quand Frontex produit ce genre de chiffres, là, elle a annoncé que sur le début de les 6 premiers mois de l'année, entre janvier et juin, elle avait comptabilisé 30 000 personnes sur la route des Balkans, en disant qu'il y avait une diminution sur cette route par rapport à la Méditerranée centrale qui reprend de l'ampleur, etc. Mais Frontex donc comptabilise ces chiffres. Le problème, effectivement, c'est que Frontex détecte des franchissements irréguliers aux frontières. Mais comme il y a des agents de Frontex à peu près à toutes les frontières, une même personne est comptabilisée plusieurs fois à différentes frontières. Comme les personnes se font refouler à plusieurs reprises, une même personne peut être aussi comptabilisée plusieurs fois au gré de plusieurs tentatives de passage. Donc c'est des chiffres qui sont de fait grossis. Une autre chose très importante à dire, c'est que Frontex a de plus en plus de moyens et de ressources. Donc Frontex est de plus en plus présente aux frontières de l'Union européenne. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de gardes frontières de Frontex qui sont déployés dans les pays des Balkans. Donc plus il y a de gardes frontières pour compter les franchissements irréguliers, plus on en compte. Donc les chiffres sont aussi plus importants parce que les compteurs sont plus nombreux. Et ensuite, Frontex est vraiment dans une position un peu de juge et partie quand elle donne ses chiffres, puisque Frontex va négocier ses ressources, son budget, ses ressources, ses équipements, mais aussi les sous. C'est l'agence de l'Union européenne la plus dotée financièrement actuellement. C'est combien le budget déjà ? Là, on est à peu près à 500 millions d'euros, alors qu'elle a été créée. Ça a triplé même, je crois. À sa création en 2005, c'était 5 millions d'euros. Donc on est vraiment sur une augmentation exponentielle, alors même que Frontex est très largement critiquée et la cible de plusieurs enquêtes qui documentent et actent, y compris des institutions telles que l'Office européen de lutte contre la fraude, qu'elle se rend coupable de violations des droits, notamment sur la route des Balkans, notamment à la frontière entre la Grèce et la Turquie. Et du coup, quand Frontex présente des chiffres très alarmants d'augmentation du phénomène migratoire, elle est aussi en train de justifier l'augmentation de ses ressources et de ses capacités. Donc on est dans une situation très périlleuse de juges et de partis qui font que ces chiffres, ils sont pas impartiaux, ils comportent des biais et il faut vraiment les remettre en question. Je vois très bien. En décembre dernier, à Tirana, en Albanie, il y a eu un sommet UE-Balkans où Emmanuel Macron a déclaré « Le sommet doit être l'occasion de faire le point sur les projets de coopération dans ce domaine et les mesures entreprises par les pays des Balkans pour endiguer les flux auxquels ils font face. » Ça veut dire quoi ? C'est la synthèse de la politique de l'Union européenne vis-à-vis des pays non européens. C'est ce qu'on appelle l'externalisation des contrôles migratoires. Donc c'est un processus qui est en cours, pareil, hein, depuis 20 voire 30 ans. Donc la stratégie de l'Union européenne, c'est vraiment d'externaliser les contrôles, c'est-à-dire de coopérer avec les États non européens qui sont identifiés comme les pays d'origine, mais aussi comme les pays de transit des personnes migrantes que l'Union européenne ne souhaite pas accueillir, puisqu'il y a aussi des personnes migrantes que l'Union européenne cherche à attirer. Et pour ces personnes-là, l'Union européenne met en place des choses aussi pour faciliter leur venue. Mais il y a toute une partie de la population mondiale qui est privée de voies de voyage sûres et légales, qui est privée d'accès au visa, qui peut pas prendre un avion pour aller, comme vous et moi, voyager là où elle le souhaite, que ce soit pour le travail, rejoindre sa famille, les études, demander l'asile politique, etc. Et donc l'Union européenne négocie avec ces États-là le fait qu'ils opèrent des contrôles migratoires et qu'ils empêchent les personnes, soit qu'ils endiguent les flux migratoires, donc ça veut dire empêcher les personnes de partir à la base dans les pays d'origine, ou alors prévenir les migrations, c'est-à-dire arrêter les personnes lorsqu'elles sont sur leur route. Donc ça, c'est avec les pays de transit. Donc c'est vraiment comment on délègue le contrôle à d'autres États que l'Union européenne pour que ces contrôles se fassent bien en amont de la frontière de l'Union européenne. Donc on a une délocalisation et une externalisation du contrôle migratoire qui passe par un marchandage très fort qui se fait avec de nombreux États, qui se fait avec les États africains, beaucoup avec une conditionnalité de l'aide publique au développement, mais qui se fait avec les États des Balkans à travers un autre outil de marchandage qui là est le processus d'adhésion à l'Union européenne. Ça fait plus de 20 ans que l'Union européenne fait miroiter aux pays des Balkans la perspective d'adhérer un jour à l'Union européenne et de pouvoir un jour rejoindre l'espace européen. Pour l'Albanie, c'est un processus qui a commencé il y a 23 ans. Donc ça paraît assez illusoire aujourd'hui de se dire que l'Albanie un jour va réussir à vraiment intégrer l'Union européenne, parce qu'en tout cas, on l'a fait patienter depuis longtemps.
Mais en attendant, l'Union européenne, du coup, demande à ces États-là, dans le cadre du processus d'adhésion à l'UE, de s'aligner sur les normes communautaires, donc sur l'acquis communautaire, donc de développer des politiques d'alignement avec l'Union européenne. Et la politique migratoire est un grand pan de ce processus d'adhésion. Donc on demande à ces États-là de s'aligner en matière de politique de visa, de contrôle aux frontières, d'accepter Frontex notamment sur leur territoire, de créer des centres de rétention, de mettre en place tout un tas de choses. On est clairement sur un chantage migratoire en fait. On est sur un chantage migratoire et un marchandage qui se fait entre l'Union européenne et les États non européens, et où finalement les personnes exilées deviennent un peu la monnaie d'échange et se retrouvent au cœur d'un marchandage. Et les droits fondamentaux, les situations individuelles de personnes sont complètement ignorées. Et puis on oublie absolument la diversité des parcours individuels et des parcours de vie qui sont traversés par ces politiques-là, qui sont extrêmement violentes et répressives. Oui, bah justement, en parlant de trajectoire individuelle, Hossein, tu as quitté l'Iran en quelle année ? En janvier 2016. En janvier 2016. Toi, tu es allé directement en Turquie. En Turquie, puis j'ai perdu tout ce que j'avais avec moi. C'est-à-dire j'avais donné l'argent à la passeur et il est quitté. J'ai resté tout seul sans l'argent en Turquie à Istanbul, sans avoir langue, sans avoir rien quoi. Et après en 2017, il y avait un mouvement politique en Iran contre le régime dictatorial en Iran, et c'est pour ça les gouvernements, il a négocié avec les gouvernements de Serbie et ils ont pris de la droit de visa, et les Iraniens, ils peuvent quitter l'Iran sans visa de aller en Serbie. C'est pour ça que t'es allé directement. Moi, je suis allé directement en Serbie, mais avant ça j'étais en Géorgie aussi. J'ai cherché des chemins pour arrivé en France, mais j'ai passé par les rues de Balkan de Serbie, quoi. J'ai commencé à Serbie. Et il s'est passé quoi en Serbie ? Je sais que tu as essayé de traverser la frontière entre la Serbie et la Bosnie plusieurs fois, et tu t'es fait arrêter et tu t'es retrouvé en prison. Est-ce que tu peux nous raconter pourquoi et comment ça s'est passé ? Oui, en fait, c'était la première fois que j'ai essayé de passer par les frontières de Hongrie. Mais j'ai arrêté par les polices de Croatie. Il m'a envoyé encore au Serbie, à Belgrade. Et à Belgrade, il m'a envoyé à Perchievo. C'était un petit camp, mais tout fermé, sur les frontières de Macédonie et entre Serbie. Et là-bas, j'ai resté quelques mois. Et puis, j'ai cherché d'autres choix. Et j'ai trouvé les chemins de Bosnie. J'ai essayé de passer la frontière de Bosnie. J'ai arrêté par les polices de Serbie et ils m'ont envoyé en prison. Et j'ai resté 10 jours en prison. Et c'était 10 jours. C'était très très dur parce que j'étais attaqué par les insectes et j'étais malade en prison. Et j'étais végétarien, j'étais végane et j'avais pas trouvé des choses à manger. Mais c'était la période, c'était 2018, c'était le foot de Coupe du Monde entre France et Croatie. Et j'essayais, j'ai regardé sur la télé qui était pas vraiment montré ce que s'est passé, mais j'avais attendu les voix et j'avais attendu de que France, il va gagner, quoi. Et ça, c'était la dernière jour. Et après, j'ai sorti de prison et il m'a donné un papier que je dois quitter Serbie. Sinon, il m'enverra en Iran. Et il peut faire de déport. Oui, il voulait te déporter. Oui, mais après, j'ai essayé de passer les frontières. Et cette fois, j'ai reçu de passer les frontières. Je suis allé en Bosnie, je suis allé en Sarajevo, j'ai dormi plusieurs nuits dans les rues de Sarajevo. Juste pour revenir sur la frontière entre la Serbie et la Bosnie, tu es passé par quel point exactement, tu peux nous dire? C'était une ville, j'ai oublié, c'est pas grave, comment il s'appelle. Tu peux nous dire, tu es passé à pied, comment ça s'est passé, oui. Le franchissement de la frontière? En fait, j'ai pris la route de train
entre Serbie et Bosnie, c'était très dangereux parce que c'est la route c'était passé sur les rivières qui étaient la frontière de Serbie et Bosnie quoi. OK, du coup tu es arrivé à Sarajevo tout à seul, Sarajevo. Sans argent. Oh, sans argent toujours. C'est passé quoi à Sarajevo? Bah, je reste quelques jours à Sarajevo, j'ai dormi dans les rues et j'ai trouvé des amis qu'on se connaissait à Serbie dans les camps. Dans le camp de Preševo, ouais. Ah oui, à Preševo, exactement. Et, bah, après, on a décidé d'aller à Bihać. C'était la ville de frontière entre Bosnie et Croatie. Bah, on a pris de billets de bus, c'était pas cher. On a passé à Bihać et là-bas on a essayé de passer les frontières. Et la première fois, on était 4 personnes et on est passé 7 jours. On a tourné autour de nous sur les frontières et bah à la fin, moi et mon ami qui s'appelle Mehdi, on a décidé de aller vers la police quoi. En gros, si je comprends bien, parce que je connais un petit peu ton histoire, et pour résumer aux auditeurs, tu as passé 7 jours dans la Exactement. Jungle, dans la forêt, Exactement. C'est ce qu'on appelle... Exactement. Mais tu t'es perdu, en fait, tu faisais un tour sur toi-même et tu es revenu à ton point de départ, c'est ça. Et exact. Tu n'avais plus à manger, plus à boire, et donc tu as été obligé de te rendre à la police Exactement. Pour pouvoir survivre, c'est ça. Exactement. Exactement, c'était ça. Et puis on a essayé de faire plusieurs choses, mais on n'a pas réussi. On a essayé de, par exemple, de demander à les gens des Croatiens, et on a essayé de demander de un petit peu de nourriture, mais personne n'a nous répondu. Et c'est pour ça on est allé dans un bar. Là, c'était la 8e jour. On est allé dans un bar et là-bas on a acheté un café chocolat et quelque chose pour manger. On avait que 10 euros avec nous. Et bah à la fin lui il m'a dit que je peux vous envoyer avec mes amis sur les frontières, mais il avait appelé de la police quoi. Et quelques minutes plus tard, la police est arrivée, il a cassé notre portable et il nous a envoyé le même endroit, c'est-à-dire là où on avait commencé, sur la frontière de Bosnie. À Bihać. Je me suis rendue aussi également à Bihać, les conditions sont très difficiles et notamment j'ai pu visiter l'un des plus grands squats de Bihać, une ancienne usine désaffectée où dormaient en tout cas voilà des centaines de personnes dans l'attente de traverser la frontière. Peux-tu me raconter un petit peu les conditions de vie dans ce squat dans lequel tu étais? Bah en fait là-bas c'était vraiment, je pense que c'était un hôpital pendant la guerre. Et c'était vraiment très très difficile parce que il y avait des gens, même des immigrants quoi, qui étaient énervés, qui étaient stressés, qui étaient attaqués tous les temps à les autres. Il y avait plein de problèmes, mais il y avait rien de choses pour vivre quoi. Mais après l'autre chose qui était très intéressante et ça m'a vraiment bouleversé, il y avait plein des enfants. Plein des enfants et des femmes, des familles, et qui avaient de rien pour une vie, quoi. Est-ce que tu as croisé des associations sur Bihać qui venaient régulièrement dans ce squat pour vous apporter un peu d'aide humanitaire? Oui, il y avait tous les temps, il y avait des associations, je pense pas c'était SOS, mais c'était les associations qui sont... Donner une kitchen? Peut-être c'était ça, je suis pas sûr parce que j'étais toujours dans les routes et dans les forêts et j'ai pas vu, mais il y avait des stations qui avaient donné la nourriture pour les migrants quoi. Quand tu entends son témoignage, Lydie, et que toi-même tu as été en Albanie, c'est quoi ton regard sur ce que vient de nous raconter Hossein? Ben alors. Je pense que chaque frontière est assez différente et je pense que la réalité des frontières albanaises, elle est encore autre que celle-ci. Là, c'est des frontières
qui sont particulièrement connus pour leur dureté, pour la répression qui est subie. Mais en tout cas, oui, on en entend énormément de témoignages de cet ordre-là, et on se rend compte aussi à quel point les personnes, elles restent bloquées hyper longtemps. Elles font des allers-retours. Enfin, elles font trois pas en avant, trois pas en arrière. Elles doivent sans cesse retenter. Et puis il y a toute la précarité du voyage. Et puis à un moment donné, tu le dis, vos téléphones ont été cassés, etc. On sait que bah voilà, sur ce type de voyage-là, le téléphone c'est l'outil parmi les plus précieux. Ouais. C'est aussi ce qui permet de maintenir les liens familiaux, sociaux, etc. Oui. Donc quoi, ouais, effectivement. Et puis surtout, en fait, ce que Hossein vient de nous raconter n'est qu'une petite partie. Tout à fait. De tout ce qu'il va ensuite nous dévoiler sur la suite de son histoire, qui est assez folle et qui illustre parfaitement bien l'absurdité dans laquelle on se retrouve aujourd'hui tous les refoulements qu'il y a, avec les triples refoulements. C'est labyrinthique et c'est kafkaïen, quoi. C'est exactement ça. Et c'est d'une violence absolue. On va faire une petite pause. Je vous propose d'écouter une chronique. On va retrouver la chronique du jour avec Rima Hassan. Rima Hassan, elle est née dans un camp de réfugiés palestiniens en Syrie. Elle est désormais juriste et fondatrice de l'Observatoire international des camps de réfugiés. Elle va nous présenter une chronique qui a été enregistrée, je vous préviens, sur la Nakba, la grande catastrophe en 1949 qui a poussé 700 000 Palestiniens sur les routes de l'exil. On l'écoute. Mon grand-père, Jamil Moubarak, est né en 1924 à Salfit, grand bourg de la montagne près de Naplouse en Palestine. En 1948, son père Nemer est momentanément seul. Son épouse est partie avec leurs 5 enfants, 2 grandes filles, un garçon et 2 autres filles visiter sa famille à Acre. Mais suite à l'intrusion israélienne en Palestine, sa femme et ses enfants sont poussés à l'exil et rejoignent la Syrie. Dès qu'il l'apprend, mon grand-père part les rejoindre près d'Alep. Et c'est un long voyage d'exil de plusieurs mois, le plus souvent à pied. Cet épisode qu'a vécu mon grand-père, c'est celui de la Nakba, la catastrophe en arabe littéraire. Cet épisode va concerner près de 800 000 Palestiniens qui seront expulsés de leur terre en 1948, 800 000 Palestiniens sur 1,4 million à l'époque. Ces Palestiniens vont être accueillis dans les pays frontaliers, la Syrie, le Liban, également la Jordanie. À ce jour, ils ne bénéficient toujours pas de la possibilité de rentrer en Palestine, bien que leur droit au retour est consacré par les résolutions de l'Assemblée générale des Nations unies. La résolution 194 prévoit en effet qu'il y a lieu de permettre aux réfugiés qui le désirent de rentrer dans leur foyer le plus tôt possible et de vivre en paix avec leurs voisins, et que des indemnités doivent être payées à titre de compensation pour les biens de ceux qui décident de ne pas rentrer dans leur foyer et pour tout bien perdu ou endommagé lorsque, en vertu des principes du droit international ou en équité, cette perte ou ce dommage doit être réparé par les gouvernements ou autorités responsables. On parle de perte à juste titre puisque la Nakba, c'est 532 villages qui seront totalement rasés et détruits. Les Palestiniens qui sont réfugiés au Liban, Syrie et Jordanie vivent pour plus de 33% d'entre eux dans des camps de réfugiés, des Palestines par défaut. On dénombre 58 camps de réfugiés, certains qui sont en Cisjordanie, donc 19 en Cisjordanie, 8 dans la bande de Gaza, 12 au Liban, 10 en Jordanie et 9 en Syrie. Ma famille a été installée dans le camp de Nerab à Alep. Nous n'avons jamais habité la Palestine, et ce depuis 5 générations, mais nous avons toujours été habités par elle. La Nakba n'est pas seulement un fait historique isolé, figé en 1948. On parle d'ailleurs aujourd'hui de Nakba continue. C'est le processus selon lequel on continue à déposséder les Palestiniens de leur terre, de leur identité et de leur droit à l'autodétermination. Ce processus perdure aujourd'hui avec la politique de colonisation et d'occupation des terres palestiniennes. On dénombre à ce jour près de 800 000 colons israéliens sur les terres palestiniennes. Ben Gourion, qui est le premier ministre israélien, a eu ses propos terribles en 1948 quand il a été question d'expulser les Palestiniens. Et il a dit « les vieux mourront et les jeunes oublieront ». C'est tout l'inverse qui s'est passé dans les camps, puisque ces camps, comme je disais, sont devenus presque des Palestines par défaut, et où chaque personne se resitue dans la Palestine, dans un village, dans un quartier, au vu de la mémoire palestinienne qui est qui se transmet de génération en génération. Et un symbole représente ce droit au retour, voire même de devoir au retour. Moi, dans ma famille, on parlait de devoir au retour comme une responsabilité à part entière pour notre identité.
pour la survie de notre identité, qui est cette clé. On l'appelle d'ailleurs la clé du retour. C'est la clé avec laquelle nos grands-parents et nos arrière-grands-parents ont quitté la Palestine, qui est la clé de leur maison, de leur foyer, et qui, bien que leur foyer soit aujourd'hui détruit, n'existe plus, puisque la Nakba, c'est 532 villages qui ont été détruits. Cette clé symbolise le retour non plus dans une maison, puisqu'elle n'existe plus pour beaucoup, mais le retour sur une terre de laquelle ils ont été déracinés. Rima vient de nous parler de la clé comme symbole du droit au retour et de l'espoir qui perdure pour tous les Palestiniens. Est-ce que toi, Hossein, tu souhaites retourner en Iran un jour ? J'espère que je peux tourner bientôt pour faire quelque chose pour les enfants qui sont abandonnés. Il y a millions d'enfants qui sont abandonnés en Iran et j'espère que je peux retourner un jour pour faire quelque chose. Oui, parce que toi, tu as vécu la rue quand tu étais Exactement. Enfant. J'ai vécu 3 ans dans les rues de Téhéran. Et après, quand tu avais lu mon biographie, c'était un livre qui m'a donné cette chance de trouver moi-même. C'était pas les contrats sociaux de Jean-Jacques Rousseau, c'était l'éducation de Émile de Jean-Jacques Rousseau, celui que malheureusement on lisait pas ici parce que Rousseau il avait abandonné ses enfants. Mais bref, il a changé toute ma vie. Waouh. Et est-ce qu'on peut revenir à ton histoire d'exil et on va faire un petit saut dans les Balkans et on va retourner en Bosnie si tu le veux bien. Oui. Je sais Hossein que tu as été refoulé un nombre incalculable de fois dans différentes frontières. Est-ce que tu peux me raconter la suite de ton histoire après la Bosnie ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Je sais que tu as fait une rencontre avec des familles et que tu as décidé de les aider. Comment ça s'est passé? C'est quand la première fois dans la rue de Bosnie de Croatie quand j'ai échoué et je suis allé encore à Bihać et j'ai vu des enfants et des familles, des femmes, des hommes âgés et des femmes âgées et ça m'a vraiment bouleversé et j'ai essayé de faire un map sur Google Maps, j'ai essayé de faire une carte sur Google Maps et après j'ai vu des familles qui m'ont demandé on n'a pas de l'argent, on peut pas passer, on a pas de choix, on sait pas qu'est-ce qu'on peut faire. J'ai essayé de l'aider des familles afghanes. Parce que c'est pour moi c'est très très important. Il y a des années des Afghans elles ont dans les routes de migration quoi. Et là-bas quand j'ai vu des enfants, j'ai essayé de les aider et on a essayé de passer encore à pied vers l'Italie. Mais on a marché 8 jours cette fois et dans les rues on n'avait pas de nourriture, on avait fini tout ce qu'on avait avec nous et il n'y avait pas de loup et on a trouvé des loups très très mauvaises dans les rues, dans les petites routes, dans les forêts et puis on a marché jusqu'à côté de Rijeka. D'une ville de Croatie, mais là-bas il y avait deux accidents. C'était une vieille femme qui était avec nous et elle est tombée de 20 mètres. Elle est tombée sur un pierre, elle a cassé son dos. Et là-bas on a arrêté par les polices croatiennes et cette famille il reste à Croatie et nous il nous a envoyé à Bihać. Ok. En totalité. Entre la frontière bosniaque et croate, tu as été refoulé combien de fois ? Je suis arrêté 9 fois. 9 fois. 9 fois. Mais c'était la 9e fois j'ai réussi de passer quoi. C'était vraiment j'avais senti de
de coucher, quoi. C'est vraiment, c'est pour moi, c'est, c'était ça. J'avais senti que je suis enceinte et je dois aller en France pour naître mon petit enfant de l'intérieur, quoi. Et en plus, il faut le dire qu'à chaque fois, parce que, en fait, qu'on comprenne et que les auditeurs puissent s'imaginer, c'est qu'à chaque fois que tu essayais de franchir une frontière, il faut savoir que tout était à pied et que tu passais des jours et des jours et des jours à marcher en compagnie de famille ou en groupe, en fait, avec des enfants, des femmes, etc. Et vous passiez des journées entières sur le chemin dans des conditions très difficiles, à dormir dehors, à dormir dans le froid, sous la pluie, à très peu manger, à très peu boire. Et la plupart du temps, quand vous vous faites arrêter par les policiers, il se passe quoi? Vous êtes battu? Vous êtes dépouillé? Oui, en fait, c'était tous les temps, c'est comme ça. Et après, on n'oublie pas qu'on marche plusieurs jours dans les forêts. On avait de belles laissés de notre pied et partout, quoi. Et c'était horrible. Et après, on a arrêté chaque fois par les polices. Bah, c'était les polices de Croatie. C'était violent. Et la police Slovénie, deux fois il nous a arrêtés, et les deux fois il nous a fait très très mal, parce que elle a essayé de développer avec nous comme un groupe de terroristes, quoi. Et mais c'était 14 ans l'enfant qui était avec moi et des femmes qui étaient avec nous. Mais les polices slovéniennes, il a vraiment essayé de faire violence. Et après, il nous a envoyé encore au Croatie, et les Croatie, il nous a encore cassé les portables, et il nous a pris de tous les chargeurs et tous les choses, quoi. C'était électronique, et il nous a encore envoyé à Bosnie. Et c'était chaque fois, c'était pareil. On avait marché 10 jours, 12 jours. Et à la fin, c'est hard. C'est assez impressionnant. Vous connaissez le livre noir des pushbacks? C'est un livre noir qui a été fait par Border Violence Monitoring et 10 ONG au sein de Border Violence Monitoring. C'est un livre absolument édifiant. Il y a deux tomes, et le dernier tome est paru il y a à peu près 2 ans. Et c'est une somme de plus de 3000 pages qui cartographie les violences qui se déroulent aux frontières de l'Union européenne grâce à quelques 1600 témoignages qui concernent environ 25 000 personnes exilées, recueillies dans plus de la moitié des pays européens, y compris les États balkaniques. Toutes les personnes interrogées ont été refoulées, battues, humiliées, volées, maltraitées, privées d'eau ou de nourriture alors qu'elles demandaient l'asile. Moi-même, sur cette route, j'ai rencontré des dizaines de personnes. Toutes, pas une exception. Toutes m'ont raconté la même chose. Toutes m'ont raconté la violence, parfois déshabillée, les mains sur la tête, etc. Enfin, des situations où qu'il est difficile de raconter, qu'il est même, voilà, c'est très compliqué, et même qui est difficile de récolter, parce que les gens sont souvent traumatisés et ne veulent pas, pour la plupart du temps, être essentialisés à cette période de leur vie où ils se sentent humiliés. Véritablement. Et pourtant, les refoulements sont interdits dans le droit européen et international, car ils violent la convention de 1951 relative au statut des réfugiés. Mais sur le terrain, clairement, c'est une autre histoire. Est-ce que toi, Lydie, tu peux nous dire si cette externalisation des frontières, et avec tous les témoignages qu'on vient d'avoir, et surtout celui de Hossein, est-ce que cette externalisation fonctionne? Alors elle fonctionne pas du tout du point de vue des objectifs qui sont ceux affichés par les États européens et l'Union européenne, puisque ils disent que l'objectif c'est quand même donc d'endiguer les migrations, puis de prévenir les migrations irrégulières à destination de l'Union européenne. Et puis maintenant, cette politique, elle dure depuis plus de 20 ans, donc on a du recul, et c'est comme si l'Union européenne et les États européens ne tiraient absolument pas
les leçons de l'échec de ces politiques migratoires mortifères depuis 20 ans, qui échouent totalement, et ça se voit dans le récit que tu nous partages, mais également dans celui de nombreuses autres personnes. Ces politiques-là, répressives et violentes, elles échouent totalement à dissuader les personnes de poursuivre leur parcours et leur vie, parce qu'en réalité, elles sont en train de vivre leur vie aussi, comme ces parcours s'étalent sur des années. Enfin, c'est quand même des parcours de vie... un parcours d'exil au milieu d'un parcours de vie. Donc elles échouent totalement à dissuader les personnes de tenter de franchir les frontières pour poursuivre leur vie et leurs objectifs. Par contre, elles ont un impact très concret. Il y a une volonté vraiment de la politique migratoire européenne de dissuader les personnes, de décourager les personnes, donc ça ne fonctionne pas. Mais ce que ça provoque, c'est que les parcours y sont modifiés. Les personnes, elles sont contraintes de modifier leur itinéraire, de faire demi-tour pour éviter les contrôles, d'emprunter des routes plus dangereuses. Donc on voit les personnes emprunter des routes montagneuses, monter de plus en plus haut dans les montagnes pour éviter les contrôles, avec souvent des chutes, des cas d'hypothermie. Ça augmente le taux de létalité de la frontière, ça augmente le nombre d'accidents graves et de décès aux frontières. Donc on est dans une politique de non-accueil, mais aussi une politique de laisser mourir, qui parfois se transforme même en politique de permis de tuer, puisqu'à certaines frontières, on a quand même des violences qui vont jusque-là, avec des personnes qui sont laissées aussi à la mort. Hein. Concrètement, il faut le dire, et puis c'est largement documenté, il y a des vraies violences. Donc on a des modifications d'itinéraire qui contraignent les personnes à emprunter des routes plus dangereuses au péril de leur vie, et puis on a aussi une politique qui finalement nourrit complètement un business qui est celui des passeurs. On entend très très souvent les déclarations politiques, et puis encore très récemment celle de Gérald Darmanin en France, mais aussi de la Commission européenne, qui disent sans cesse ces horreurs, ces drames sur les routes, voilà, c'est la faute des passeurs. On a l'impression que c'est vraiment la responsabilité des passeurs, des réseaux de criminels, de trafiquants incroyables, hyper bien organisés. Alors qu'en réalité, le business des passeurs se fonde sur le fait que les personnes ne puissent pas franchir de frontières facilement ou sans prendre de risques. Et à un moment donné, pour certains passages, les personnes n'auront pas d'autre choix que de recourir au service d'un passeur pour tenter le franchissement de la frontière, tellement c'est militarisé, contrôlé, impossible par ses propres moyens d'y arriver. Donc souvent là, on accuse les méchants passeurs, alors qu'en réalité, si les personnes avaient des possibilités de voyager encore une fois de manière sûre et légale, elles ne feraient jamais appel au service d'un passeur. Donc si on veut vraiment lutter contre le business des passeurs, il faut offrir des voies légales aux personnes, il faut ouvrir l'accès à ces personnes-là pour franchir les frontières de manière sûre et légale. Et on va aussi désigner, on entend souvent les États européens désigner aussi comme coupables les personnes qui seraient complètement irresponsables, inconscientes des risques, etc. Alors qu'on se rend bien compte que les personnes, elles sont pas du tout inconscientes des risques. Les compagnons, énormément d'informations se partagent, les personnes sont presque expertes de leur parcours d'exil et savent très bien les risques qu'elles sont en train d'encourir et les choix qu'elles font. Mais en réalité, il n'y a pas d'autre choix et on ne leur laisse pas d'autre choix. Donc on est dans une politique d'externalisation qui ne fonctionne pas du point de vue des objectifs affichés, mais par contre qui fonctionne de la manière la plus terrible qui soit, c'est-à-dire qu'il y a quand même moins de personnes qui arrivent puisqu'il y a des personnes qui décèdent en route et des personnes qui prennent des années et des années à atteindre leur destination et qui parfois vont se faire expulser et retourner dans leur pays d'origine avant même d'avoir pu atteindre cette destination avec des conséquences dramatiques. Ouais, c'est vrai. La plupart des personnes que j'ai rencontrées sur la route des Balkans, pour la plupart, ils étaient sur cette route depuis des mois, voire même des années. C'est très rare les personnes qui passent en 2-3 mois. C'est très très rare. C'est très très rare. Il y a une situation qu'on est en train d'observer et qui est en train d'évoluer, mais vers vraiment la pire des manières. C'est entre la Turquie et la Bulgarie. Il y a une accentuation de la violence à cette frontière qui est absolument terrible. Entre la Turquie et la Bulgarie, il y a à peu près 130 kilomètres de murs, de barbelés. Donc c'est une frontière qui où il y a un système de surveillance très fort avec des caméras thermiques et des drones, etc. Mais ça, on reviendra sur ce point tout à l'heure, si tu veux, Lydie, sur le business des frontières. Mais à cette frontière, donc entre la Turquie et la Bulgarie, moi j'ai eu des témoignages de femmes qui ont subi des agressions sexuelles par la
de la part des gardes bulgares, des agressions sexuelles très 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 violentes, avec des humiliations devant le mari, etc. Enfin, et beaucoup de témoignages comme ça ont été récoltés. Il y a le président du comité Helsinki bulgare, hein, qui s'appelle Krasimir Kanev, qui a déclaré il y a quelques semaines: des personnes ont été tuées, d'autres grièvement blessées, d'autres encore refoulées et sont mortes dans la neige en Turquie. Il y a eu de nombreux cas de mauvais traitements physiques qui ont parfois entraîné la mort. L'utilisation d'armes à feu fait également des victimes. Il parle donc de cette frontière et en fait il évoque qu'en 2022, plus de 87 000 migrants ont été renvoyés lors de quelques 5 300 refoulements à la frontière bulgaro-turque, soit presque deux fois plus de personnes qu'en 2021. Donc en 2020, l'ONG avait rapporté un peu plus de 15 000 personnes refoulées par les autorités bulgares et le nombre réel de renvois illégaux serait toutefois encore plus élevé. Ce qu'on observe donc à cette frontière est dingue, tout le monde ferme les yeux, clairement. C'est quoi les leviers qu'on a à notre disposition pour faire cesser ces agissements? Et là, je parle de la frontière entre la Bulgarie et la Turquie, mais c'est la même chose entre la Grèce et la Turquie, c'est la même chose entre la Bosnie et la Croatie, entre la Hongrie et la Serbie, entre la Serbie et la Croatie, enfin, sur toute la route des Balkans, il y a une violence absolument terrible, voilà, qui ont été évidemment documentées par de nombreux rapports et d'enquêtes journalistiques, mais clairement, c'est de pire en pire. Alors, c'est difficile de répondre à cette question parce qu'aujourd'hui, on observe quand même une impunité qui est quasi totale sur les traitements inhumains et dégradants qui sont très largement documentés à de très nombreuses frontières tout au long de la route des Balkans. Et puis effectivement, là, cet exemple de la frontière extrêmement violente entre la Bulgarie et la Turquie, entre la Grèce et la Turquie, en réalité, si on pense à la Grèce et à la Turquie, les traitements inhumains et dégradants et puis les tirs à balles réelles de la part des gardes-côtes directement sur les personnes à bout portant sont documentés depuis des années. Donc c'est très compliqué quand même pour les décideurs politiques européens aujourd'hui de dire qu'ils ne sont pas au courant. Tellement de rapports ont été faits pour documenter tout ça. Après, on se rend compte qu'il faut surtout pas arrêter ce travail d'enquête et de collecte de données pour documenter tout ça. Malgré le fait que ça change pas la situation, c'est extrêmement important que ce droit de regard il demeure et qu'il existe. Le travail que fait Border Violence Monitoring Network, il est primordial, hein, de collecter les données sur toute cette politique de refoulement. Et le travail de manière générale que font les militants, les activistes de collecte de données sur les pratiques des forces de l'ordre aux frontières, et pas que des forces de l'ordre, des fois il y a aussi des pratiques de la part de milices privées à certaines frontières qui agissent aussi de manière violente vis-à-vis des personnes exilées, mais aussi de collecte de témoignages des personnes exilées. C'est un travail qui peut être fait par Border Violence Monitoring Network, mais aussi par beaucoup d'autres associations et militants le long des frontières. Toutes ces données-là, elles sont primordiales pour qu'on puisse mener, et on est très nombreux à le faire, hein, dans tous ces pays-là, des contentieux, c'est-à-dire qu'on tente de mettre les responsables face à leurs responsabilités. C'est très 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 difficile, évidemment, mais il y a quand même des contentieux en justice qui vont jusqu'au bout. On obtient quand même des condamnations de la Cour européenne des droits de l'homme qui reconnaissent les exactions qui sont commises et qui enjoignent les États à rendre des comptes. Donc on a une impunité qui est forte, mais il faut quand même continuer à documenter pour pouvoir faire du contentieux, du plaidoyer, de la communication, de la mobilisation. Et en même temps, les associations, les activistes sont eux-mêmes criminalisés. Et ouais, les journalistes aussi. C'est-à-dire que à la frontière entre la Grèce et la Turquie, c'est une frontière militarisée. C'est une zone rouge, on ne peut pas y accéder. J'y ai essayé. Absolument impossible. Je connais des journalistes qui ont été en prison pour ça, pour avoir mis les pieds dans cette zone. Et donc justement, c'est tellement difficile de documenter. Je pense à l'association Josour. Josour qui a des membres qui ont eu des procès pour juste avoir documenté tout simplement ce qui se passait à cette frontière. Donc en même temps, c'est un levier d'agissement, mais en même temps, c'est extrêmement compliqué. C'est ça. C'est de plus en plus compliqué.
On est d'accord. C'est de plus en plus compliqué. Il y a vraiment une criminalisation qui est d'abord celle des personnes migrantes, mais qui s'étend aux personnes qui viennent en solidarité des personnes migrantes, qui rendent tout ce travail-là extrêmement difficile. Moi, je pense aux enquêtes incroyables du collectif Lighthouse Reports, qui ont quand même permis de révéler au grand jour l'utilisation de cette cage à la frontière bulgare, notamment. Exactement. Sous les yeux de l'agence Frontex. Ça fait quand même bouger des lignes. L'agence Frontex, elle est complice de violations des droits fondamentaux depuis qu'elle existe quasiment aux frontières, mais quand même depuis 2020, elle est sous le feu des critiques. Alors certes, son mandat n'est pas remis en question, elle a toujours des ressources, mais on a quand même une démission de son directeur général et de plus en plus de parlementaires qui demandent quand même un peu des comptes. Donc il faut pas lâcher et puis il faut utiliser le levier des parlementaires et notamment des eurodéputés qui peuvent se rendre sur ces frontières constatées par eux-mêmes et après porter dans les enceintes de l'Union européenne ce qu'ils ont pu constater. Mais même là, ça devient extrêmement difficile. On a une délégation d'eurodéputés qui vient de se faire refuser l'accès en Tunisie. Exactement. Donc on se rend compte que même à ce niveau-là, alors que normalement eux arrivent à accéder au lieu d'enfermement là où les journalistes, les associations se voient refuser l'accès, ce qui est déjà une violation du droit européen, hein, une violation du droit à l'information des citoyens européens. Donc effectivement, on est dans une dérive des libertés journalistiques et associatives qui est très effrayante, y compris sur l'ensemble du territoire européen. Et toi, Hossein, toi qui as vécu cette situation de l'intérieur, c'est quoi ton opinion sur ça? Moi, je pense que c'était pas seulement le problème de garde de frontières. Là, c'est avec toutes les violences, avec tout ce qu'on a vécu, j'ai vécu avec tous les autres migrants. Moi, je pense que c'était une mauvaise politique dans la communauté internationale qui peut pas régler un petit peu de les problèmes géopolitiques dans la Asie, l'Afrique et la pauvreté qui est là et la guerre qui est là. Je pense que c'est pas seulement le problème de les gardiens de frontières, parce qu'ils prennent de l'ordre à son gouvernement, quoi. Exactement. Et j'aimerais qu'on rebondisse sur une thématique qui, moi, m'est chère, puisque je trouve qu'elle concentre un peu tous les sujets qu'on vient d'évoquer. C'est le sujet du business des frontières, qui est un vrai sujet, avec la militarisation en fait des frontières, avec la construction de murs, avec des systèmes de surveillance de plus en plus importants qui sont financés par l'UE. On le voit avec la Hongrie qui a dépensé plus de 100 millions d'euros pour financer la construction de clôtures en fil de barbelé. C'est le triple du budget annuel consacré aux demandeurs d'asile dans ce pays. Entre la Bulgarie et la Turquie, pareil, la clôture actuelle est longue de plus de 130 km/h. L'UE refuse de financer des murs anti-migrants, mais elle finance la police aux frontières. Et elle finance quand même certains dispositifs de surveillance. Mais en fait, ces dispositifs-là ne font qu'accentuer les difficultés pour les personnes, empêchent les personnes exilées de faire une demande d'asile, etc. Et donc, on est dans un système où, en fait, les personnes prennent de plus en plus de risques, comme tu le disais tout à l'heure. Mais finalement, ce business, il profite à qui? Alors, effectivement, il y a tout un profit de la frontière qui s'est énormément développé ces dernières années, puisque les États ont été tout le temps de plus en plus friands de technologies de contrôle toujours plus sophistiquées. Enfin, on voit quand même se développer des drones hyper sophistiqués, mais il y a des projets à l'échelle de l'Union européenne de chiens renifleurs mécaniques, de robots aux frontières, donc de technologies de contrôle extrêmement déshumanisantes aussi, et de plus en plus intrusives, de plus en plus répressives et dangereuses. Tout ça représente une manne financière incroyable, et donc on a des entreprises qui sont des entreprises de sécurité privée du secteur de l'armement et de la sécurité qui ont commencé à se spécialiser et à développer des technologies de contrôle aux frontières. Et donc il y a tout un business du contrôle migratoire qui s'est développé et des entreprises qui profitent de toute cette manne financière, parce que quand on regarde les montants que les budgets européens allouent au contrôle migratoire, c'est énorme, donc ça représente un profit énorme. Et c'est incroyable parce que du coup, ça n'a aucune efficacité du point de vue de la politique qui est menée. Mais effectivement, il y a des collusions aussi entre secteur public et secteur privé qui sont énormes. Donc effectivement, à qui profitent les frontières? Il y a un vrai sujet. Il y a des profiteurs du business de la frontière, c'est clair. Toi, Hossein, tu l'as vu, ces systèmes de surveillance de près?
Oui, bien sûr. J'ai passé les frontières. J'ai l'avoue, cette système, bien sûr. Mais après, moi, je pense, c'est pour moi, c'est d'autres choses. C'est que je peux parler d'eux. C'est pas cette business parce que il y a partout quoi. Mmh. Et même aux États-Unis, entre Mexique et les États-Unis, exactement, c'est le même. Et on sait bien pourquoi ils ont fait cette frontière. Et mais après, je pense, c'est pas un sujet que je peux parler d'eux. Juste pour réagir à ce que tu disais avant, que l'Union européenne affirme beaucoup qu'elle refuse de financer les murs anti-migrants, oui. Et c'est d'une hypocrisie sans nom, c'est puisque clair. L'Union européenne finance des enveloppes financières dédiées au contrôle migratoire et au renforcement et à la protection des frontières que les États vont ensuite utiliser pour construire ces murs anti-migrants. Donc c'est vraiment, il y a une vraie hypocrisie quand l'Union européenne dit qu'elle finance pas les murs anti-migrants, parce qu'en réalité les financements européens sont utilisés pour construire des camps et des murs et des dispositifs de contrôle. Et donc tous ces dispositifs d'enfermement, de tri, d'expulsion aux frontières, ils sont financés par l'Union européenne et donc par les citoyens européens en réalité, hein, puisque le budget de l'Union européenne c'est les impôts des citoyens européens. Moi, je pense aussi que c'est un jeu pour l'éduquer un petit peu des immigrants avant de rentrer en Europe, quoi. C'est, je pense... Tu veux dire quoi par là? Éduquer. Bah, je voudrais dire qu'avec tout ce qu'on a passé là-bas, avec tout ce qu'on a vécu là-bas dans cette rue, on aime bien de la pays qu'on est entré pour demander asile. Bah, on se voit pas la même violence que il est à Serbie, il est dans les rues de Balkans, dans le pays de avant de notre pays qu'on va demander d'asile quoi. Là, on a essayé de aimer cette pays parce qu'on voit pas le même violence. Ok. Je pense. Après, il y a d'autres questions aussi, mais c'est pour moi, c'est un petit peu de questions aussi. C'est pourquoi les Européens ou les pays européens, ils peuvent pas, ils voudraient pas, ou il est pas essayé de régler un petit peu de les problèmes qui est dans les rues du Balkan, quoi. Mais justement, pour rebondir sur ce que tu dis, Hossein, l'Union européenne veut réformer et renforcer son droit d'asile. Annoncé le 9 juin, un accord trouvé par les ministres européens de l'Intérieur va désormais être examiné par le Parlement européen. Pour finir, il nous reste très peu de temps. Lydie, on en est où sur ce pacte? Alors, c'est des négociations qui sont en cours depuis 3 ans. Le Parlement, la Commission et le Conseil souhaitent vraiment adopter le pacte avant la fin de cette législature, avant les prochaines élections européennes. Donc d'ici le début de l'année 2024, c'est une réforme qui va vraiment dans la même logique qui est celle poursuivie depuis des années. Donc c'est une réforme répressive et sécuritaire orientée vers l'endiguement des migrations et l'expulsion des personnes que l'Union européenne considère indésirables. On n'est vraiment pas sur la réforme radicale des politiques migratoires qu'on demande avec une orientation de tous ces moyens vers une politique d'accueil digne, respectueuse des droits fondamentaux. Pour une Europe protectrice et solidaire. Donc ce pacte, il est très dangereux en réalité. Donc ça ne va pas aller du tout en s'arrangeant en fait? Non. Absolument pas. Et toi Hossein, juste pour terminer cet entretien, maintenant que tu vis en France, tu es artiste et tu es très engagée notamment concernant le droit des femmes iraniennes, celles qui sont emprisonnées par le régime. Avec le recul et avec ton regard, tu ressens quoi quand tu repenses à cette route d'exil? Bah, moi d'abord, j'aimerais bien te parler d'autres choses aussi. C'est avant j'ai commencé à faire de être immigré. J'avais lu l'histoire de la grande révolution en France, la grande révolution française. Et j'ai lu de Rousseau, Voltaire, Diderot, je sais pas de la littérature classique. Mais tout ça, ça m'a permis de beaucoup de choses pour entrer en France. Et là, je vois des mouvements en Iran. C'est pour ça aussi, j'ai
essayé de parler de ces mouvements en Iran, de enfin vie liberté. Mais après c'est pour moi c'est vraiment c'est je vois des choses très 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 importantes et je vois de ma vie, je vois des choses qui va arriver dans ma vie parce que je sens plus libre et plus égal. Merci Hossein, merci beaucoup. J'aurais beaucoup aimé t'entendre pour raconter la suite de ton histoire, mais on aura l'occasion une autre fois de t'écouter. Merci. Je voudrais vous remercier pour cette première émission et merci à toi Lydie Arbogast. On peut retrouver ton travail pour la CIMAD, la note que tu as écrite aussi sur l'Albanie. On peut retrouver également ton travail Hossein sur les réseaux sociaux, Hossein Hajizadeh Sibony, pour découvrir tes œuvres, et on se retrouve le 17 octobre prochain pour une prochaine émission qui va concerner la Tunisie. Voilà, je mettrai les liens de vos réseaux sociaux et de vos travaux sur Specto Studio et Radio Ems. Merci de m'avoir écouté, c'était magnifique de vous avoir. À bientôt.